Il est 5h10 du matin. Vous entendez le doux son, le doux bruit de la pluie qui tombe. Et qui tombe bien. Ah, la journée s'annonce compliquée. Ça drache. Mais là, ça drache bien. Je sais pas si vous avez vu sur le petit flash météo là que je fais tous les matins. C'est pas terrible. Enfin, il fait 10 degrés, il fait pas froid, mais on sent l'humidité, quoi. En plus, hier, j'ai nettoyé mon pantalon, il est pas super sec. Donc, voilà une avant-dernière journée qui commence très bien. Mais il n'y a pas, hein. Il va falloir y aller. On va se préparer. Là, il reste 50, un petit peu plus, je suis 50 km. Dans ma petite tête, aujourd'hui, j'avais pensé faire au moins 35 km et me rapprocher vraiment très proche de Santiago. On verra comment ça avance. Je vais être honnête avec vous, s'il faut prendre un taxi pour 10 km, je vais le prendre, hein, parce que arriver crevé malade, ça j'ai pas envie. On verra bien. Enfin, on va essayer de faire un maximum quand même, hein. L'un dans l'autre, je suis à 740, 750 km. J'ai fait certainement plus de 700 km avec mes pipiers. Donc, j'ai su le faire. On va essayer de continuer de le faire. Allez, on se tient au courant, mais s'il n'y a pas beaucoup de vidéos, s'il n'y a pas beaucoup de photos, c'est qu'il fait noir. Ou alors, c'est que, en plus, il ne pleut. Déjà, mon appareil, mon smartphone, là, il commence à déconner au niveau du connecteur de charge. Donc, j'ai quand même envie de garder mon smartphone jusqu'à la fin. Donc, s'il ne faut pas le sortir, je ne le sors pas. Allez, à plus. Bon, bah, c'est parti, hein, il est 6h10, hein, mais je vous dis que ça, quoi. C'est The Drache, Ah, voilà. Il va falloir s'accrocher à l'équipe. Mais bon, il n'y a pas le choix, hein, si on veut avancer. On doit avancer. Allez, à plus. Ça tombe, hein. Ça tombe. Bon, bah, ça fait une demi-heure que je quitte la ville. C'est quand même une grande ville, hein, Mélide. Ça se calme un tout petit peu, mais c'est franchement pas jojo. Allez, je vous laisse, mais je vous reprends bien plus tard. Allez, à tantôt. Désolé, je ne peux pas filmer plus, mais voilà seulement que le jour se lève. Le temps est vraiment très humide. Les chemins sont très boueux. Il faut faire très attention. Je suis déjà bien mouillé. Mais bon, allez, ça va le faire. Hein. Je sais pas combien de kilomètres j'ai fait déjà. C'était pas évident avec la frontale. Mais bon, on a vu pire. Hein. On a vu pire, on a vu plus froid, on a vu plus venteux. Mais voilà, on avance. On n'a pas le choix. On avait parlé, hein. C'est un bar où le monsieur a mis des bouteilles de bière partout. Il a fait des arbres, il a fait des trucs, il a fait des machins, il y a des bouteilles de bière, mais partout.
Mais je m'attendais, franchement. C'est moins boueux par ici que au début de l'étape. Mais et alors, apparemment, la pluie elle se calme. Donc ça fait beaucoup de bien de marcher sans ramasser plein la tronche, quoi. Des chouettes petits chemins. C'est sympa, c'est cool. Voilà. Voilà. Quand il y en a plus, il y en a encore. Allez, on s'accroche. On n'a plus le choix, on est trop près. Allez, vai, peregrinos. C'est dur les gens, c'est dur. C'est dur. C'est humide. C'est dur. Bien content d'arriver au bout. Je recommence à avoir mal dans mon pied gauche, à la plante. Et ce matin, j'ai eu une crampe au mollet droit. Donc il est temps que ça se termine. Hein. C'est long. 24e jour de marche, c'est long. C'est long. Mais allez, on va y arriver. On est au bout. On a eu un gros coup de mou au 14e jour. C'était il y a 10 jours. On en a fait du chemin depuis. Et ça, c'est l'essentiel. Alors ça commence à me peler. Hein. Tous les 25 mètres, il y a une borne. Hein. C'est fini, hein. Je fais plus de photos, je les filme plus, peut-être à partir de 10 km ou 5 km, j'en sais rien, mais là c'est gavant, hein. T'as l'impression d'avoir fait un kilomètre et t'as fait 153 mètres quoi, je comprends pas l'utilité de ce genre de choses. Bon ben voilà, c'est leur truc, hein. Qu'est-ce que tu veux, encore une chose du chemin que je ne m'explique pas. Dans la meseta, j'aurais bien voulu en avoir plus des bornes comme ça. Parce que là, on se voyait pas avancer, c'était très long. Mais là, c'est exagéré quand même. Enfin, que soit. Allez, avanti, popolo! Forza! On va y arriver! On est fort! Dans les jambes et dans la tête! Go, go, go! Ah, 22 km de Santiago. Il y en a qui mettent les bouchées doux pour faire de la pub, hein, je vous le dis. Hein. Oh là là. C'est un fameux business. Hein. Merde, Dios. Poupette. Gâteau. Alors, petite vidéo de fin donc de cette 24e journée, je pense, je ne sais plus. Journée humide, mais journée pas trop de vent, ça va. Enfin, bon, quand je suis parti, il pleuvait,
Il y a comme eu des petites nuées à gauche, à droite, etc. Enfin voilà. Mais voilà, ça fait. On n'est plus très loin de Compostelle. D'ailleurs, vous verrez la météo demain matin. C'est considéré déjà comme Saint-Jacques-de-Compostelle ici, alors qu'on n'y est pas. On est officiellement à 12 km, mais à mon avis, l'officiel, c'est par rapport à la cathédrale. Voilà, donc demain dans la matinée, je devrais arriver à Santiago. Et puis après, je ne sais pas du tout comment va se passer ma journée. J'aimerais aller faire ma Compostela au minimum. Et j'aimerais visiter la cathédrale et certainement participer à une messe. Et à mon avis, il doit y avoir plusieurs messes dans la journée. Voilà, on verra demain comment ça se passe. Et voilà, je ne vois rien grand-chose d'autre à vous dire. Voilà, je suis bien salé, je suis en train de faire ma lessive. Juste à l'entrée, à machine... Pardon, machine à laver et séchoir. Et puis ce qui m'embête, c'est qu'aujourd'hui, le repas, c'est à 20 h. C'est tard pour moi, moi qui ai l'habitude de manger à 5 h 30, 6 h. Et de me coucher à 21 h 30. Mais on n'est plus à ça près. Après 25 jours, 24 étapes, 700, plus de 760, 70, 80 km, je ne sais plus. Et puis samedi, j'ai déjà réservé mes tickets de bus pour aller à Fistera. Et dimanche, on verra. Peut-être journée de repos. Je vais voir aussi avec mes réservations pour mon retour, qui se fera le plus rapidement possible. Allez, passez tous une bonne soirée et à demain pour le grand jour. Thank you.